Good morgen, Ali Iden et Susra, aujourd'hui, Lelou Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fitna, Dvora Bat Esther et Elio Ben Yish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, car c'était les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Nedarim, Perek He Mishnah Alef. Ashutafin Shenadru Anaaze Mize, Asurin Nikanes Lechatser, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Ze Nichnas Le Tor Shelo, Ze Nichnas Le Tor Shelo, Ushneem Asurin Amid Sham, רחיים ותנור ולגדל תרנגולים. היה אחד מהם מודר ענה מחברו, לא ייכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יכול הוא לומר לו, לתוך שלי אני נכנס, ואני נכנס לתוך שלך, וכופין את הנודר למכור את חלקו. On commence le פרק השותפין, un פרק qu'on étudie beaucoup dans les yeshivot, parce que ça touche à la copropriété. Il y a des grands principes qui découlent de ce פרק. Concrètement, on parle de Ashutafim Shenadru Anaaz et Mizé. On a deux associés qui ont fait un éder de ne plus profiter l'un de l'autre. Ou de ne plus laisser l'autre profiter de moi. Soit je m'interdis de profiter de toi et toi aussi, ou soit j'interdis que tu profites de moi et tu m'interdis que je profite de toi. Maintenant, donc, on va prendre concrètement, on parle d'associés qui, en fait, qui avaient. Vous savez comment ça se présentait les maisons à l'époque ? Il y avait des maisons individuelles et une cour qui était meshutefet, qui était en copropriété, où chacun, on utilisait beaucoup la cour pour faire les lessives, pour mettre toutes sortes de déposer des affaires et tout ça, toutes sortes de travaux, on les faisait dans la cour qui était meshutefet entre deux personnes. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, on s'est disputé, et puis on a dit que ça y est, on profite plus ni toi de moi, ni moi de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à rentrer dans ce ratzer ou pas? Parce que je vais rentrer ici, je rentre pas que chez moi, je rentre aussi chez toi, et vice-versa. Je vais faire toute utilisation que je veux faire, je vais profiter de chez toi, j'ai plus le droit de profiter de chez toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va découvrir doucement, d'abord je vais traduire la Mishnah, la moitié de la Mishnah, puis après on va expliquer un peu mieux. Mais pour le moment la Mishnah me dit « Asurin nekanes lechatser », ils n'ont plus le droit d'entrer dans le chatser, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils font? On verra. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, non, Zenichna c'est Torchelo, et Zenichna c'est Torchelo, chacun a le droit de rentrer dans la cour, parce que finalement, il vient en avançant qu'il a un droit d'entrer ici, c'est mon droit, j'entre chez moi. Voilà à peu près la phrase qu'il nous dit. Mais malgré tout, tout le monde est d'accord que, Ushneem Asurim Lehamid Sham Rechaim Vetarnour, mais tout le monde est d'accord qu'ils n'ont pas le droit, malgré tout, de mettre là-bas un moulin, ou de mettre un fourneau, ou les gadel tanegolin, ou encore d'élever des poules. Bon, alors on va faire un petit peu d'ordre. D'abord, quand on parle d'une cour, je vous ai dit, on parle qu'il y a deux maisons individuelles avec une cour au milieu. On a une question élémentaire à poser. Est-ce qu'on parle d'un chatser chez Yesh Bodin Chalouka ou chatser chez En Bodin Chalouka? Je m'explique. Il y a une quantité minimale. Lorsqu'on a deux associés, qu'on veut forcer un partage à l'autre, il faut que pour chaque chose, on apprenne ça dans Bavatra, pour chaque chose, on a le droit d'imposer à l'autre de se partager. Dans la mesure où il y a de quoi se partager et que chacun il obtienne, malgré tout, quelque chose de conséquent en main. Je m'explique. Si on a un stylo, vous et moi, on est associés dans ce stylo, je ne peux pas imposer qu'on coupe le stylo en deux parce qu'il ne restera plus un stylo. On a une solution dans ce cas-là, c'est de faire ce qu'on appelle good way good. Là n'est pas notre problème d'imposer malgré tout un partage au moins monétaire de la chose. Mais si on a par exemple, on a une série de livres, j'ai pris un mauvais exemple, on va prendre que par exemple on a un grand talit, et on peut le couper en deux, et ça va nous faire deux petits talits. Alors dans ce cas-là, j'impose le partage. La même chose aussi pour une cour. Il y a un minimum de ce qu'on appelle une cour, il y a un minimum de ce qu'on appelle un champ, mais un minimum de ce qu'on appelle une maison. On imagine qu'on a une grande maison en shoot-foot, on a 8 pièces ensemble. Et ça y est, je peux imposer maintenant que ça y est, on se partage, bon, on va couper la grande maison en deux appartements de 4 pièces, et chacun il a de quoi avoir une belle maison. Mais si on avait un studio, on va le couper en deux, il n'y aura même plus, une chambre potable. Donc on ne pourra plus imposer le partage. Vous avez compris le principe? D'accord. Bon, maintenant on avance. Chaque chose est importante, il faut définir c'est quoi le minimum. Pour que chaque chose soit conséquente. Soit, par exemple, partager une cour, le minimum d'une cour, c'est d'avoir arba amot. À l'arba amot, en plus d'arba amot, à l'arba amot devant une porte. Soit, devant chaque porte, il faut d'abord laisser 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres. Ça, c'est pas encore une cour, ça c'est pour l'entrée.
l'entrée d'une porte, c'est d'avoir 2 mètres sur 2 mètres sur une maison. À part ça, il faut que pour la cour, il reste encore au moins au minimum de 2 mètres sur 2 mètres. Arba à l'arba, 4 amot sur 4 amot. Si on a au total, en fait, dans la cour, vous avez votre maison en face de moi, mais j'ai ma maison ici, on a chacun son petit carré de 2 mètres sur 2 mètres, plus encore 2 mètres sur 2 mètres, pour avoir une cour à chacun, et qu'on a fait un éder, d'après tous les avis, on est obligé de couper la cour en deux, chacun il reste chez soi, il ne profite plus de l'autre. Ça, c'est d'abord avant d'arriver à la Mishnah. La Mishnah, elle nous parle d'un cas particulier, où maintenant il n'y a pas de quoi se partager. En réalité, la cour qu'on a devant nous, à part les 4 amotes sur devant les portes, que ça, on ne les compte même pas, en plus de ça, il nous reste ensuite 6 amotes au total. Si on les coupe en deux, 6 sur 6, d'après c'est un mauvais, ouais, c'est un mauvais exemple, j'en étais sûr. Alors on a 5 sur 5. Parce que si vous calculez 6 sur 6, ça va faire 36, donc ça fait qu'il y a 16, 2 fois 16, donc on peut partager en deux. Donc en fait, il faut faire 5 sur 5, donc ça nous fait 25 amotes. Il n'y a pas de quoi donner un minimum de 4 sur 4 pour chacun. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On est bloqué, on ne peut plus se partager. Moi j'ai ma maison, toi t'as ta maison en face, on ne peut pas maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien sur ça, on a Rahamim qui nous disent, pour le moment vous n'avez rien à faire, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas utiliser la cour, il n'y a rien à faire. Quelle solution on a? Je ne sais pas quelle solution on a. Ils ne proposent pas de solution. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a. On n'a qu'à partir voir le Raham pour qu'on annule le Neder. Bon, en tout cas en l'état, on est bloqué, on ne peut pas rentrer. Parce que moi, si j'entre dans cette maison, je vais maintenant profiter que je vais marcher chez toi. Et toi, tu vas profiter que tu marches chez moi. On n'a pas le droit de profiter l'un de l'autre. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il me dit, non, j'ai le droit de rentrer et tu as le droit d'entrer parce que chacun, il va entrer en revendiquant son droit d'entrer chez soi. Je m'explique, c'est assez délicat, ça touche une notion vaste, la notion de Yesh Brera ve En Brera. Littéralement, Brera, ça vient du mot borer, éclaircir. Les varères d'avar. Trier, enfin, dans le sens d'éclaircir une chose. En fait, on considère que c'est vrai qu'on a. Quand on a quelque chose en association, ouais, quand on, imagine on a ce stylo, quand moi je m'utilise avec mon droit, ben on va. Comme si on va éclaircir que pour le moment, on pouvait très bien faire un partage de ce stylo, qu'il appartient à moi le lundi, et à toi le mardi, et à moi le mercredi, et ainsi de suite, un jour, un jour. Ben, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi, on peut faire un autre partage. C'est que, sans expliciter, chaque fois que je l'utilise, je viens l'utiliser en revendiquant mon droit, que maintenant on considère que pour le moment, il est entièrement à moi pour cette heure-là, et demain, quand tu l'utiliseras, ce sera entièrement à toi, pour l'heure, ou demain, ou tout à l'heure, lorsque tu l'utiliseras, ce sera ton droit. Donc en fait, chacun il vient en utilisant, en revendiquant son droit sur le Khatser, en disant que maintenant, ben, j'élucide, j'éclaircis que maintenant, c'est mon droit à moi que j'utilise, et j'utilise pas ta cour. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça c'est vaste, ça touche à la Brera, c'est un grand sujet dans le chasse. Et pour le moment, on continue notre Mishnah. La Mishnah, elle vient m'enseigner maintenant, elle me dit autre chose. Mais malgré tout, ça c'est uniquement pour les choses qu'on est en droit de revendiquer, qu'on a le droit d'entrer chez soi. Mais maintenant, vous savez, quand on a une cour, en théorie, on n'a pas le droit, par exemple, de se mettre à mettre un fourneau dans une cour en association. J'ai le droit de m'opposer. Ouais. En général, lorsque j'ai un voisin qui va mettre un fourneau pour 3 heures, je vais me taire. Je vais le laisser. Je ne vais pas revendiquer, je ne vais pas lui dire non, t'as pas le droit. Je vais le laisser. D'accord ? Mais en théorie, j'ai le droit de m'opposer. Selon ce principe, toute utilisation qu'il n'est pas en droit de faire, alors je n'aurai pas le droit de le laisser le faire et de me taire. Parce que si je le laisse faire et je me tais, alors ça veut dire que je lui mets à disposition maintenant mon bien pour qu'il en profite. Selon ce principe, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigne, qu'on n'aura pas le droit de mettre le moulin, le fourneau, ou d'élever les poules, de mettre des poules. Parce qu'en théorie, dans une cour en association, chaque voisin, il peut s'opposer que l'autre, il ne se met pas à mettre des poules, ça me casse les oreilles, ça salit, j'ai pas d'obligation de te laisser. Même si on a l'habitude d'être mévataire, malgré tout, de laisser l'autre utiliser sans s'attacher à tout, eh bien, cette fois-ci, on ne pourra pas le laisser faire, parce que si je le laisse faire, ça signifie que je suis en train de lui donner quelque chose, puisqu'il n'était pas en droit de le faire. D'accord? Jusque-là, on a fait la première moitié de la Mishnah. La deuxième moitié de la Mishnah, c'est à peu près la même chose, avec une différence. C'est plus mutuel, c'est à sens unique.
Il y en a un qui a été noder à Naam et Chavero. On s'est disputé et t'as cru que moi je profitais de toi. Je te dis, tu sais quoi, je profite plus jamais de toi. Donc c'est moi qui suis noder de ne plus profiter de toi. Mais toi, t'as pas fait de neder. Alors là, c'est triste parce que moi, j'ai plus le droit de rentrer chez moi. Mais toi, t'as le droit de continuer à rentrer chez toi. Parce que toi, t'as pas de droit, t'as pas d'interdit. Moi, j'ai un interdit et toi, t'as pas d'interdit. Alors, c'est ce que la Mishnah me dit. Aya echad mehem mudar ana'am. Un seul, il avait fait le néder de ne plus profiter de l'autre. Loïkanes il ne pourra plus lui-même rentrer dans la cour, tandis que l'autre, il aura le droit de rentrer. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Yachol marlo, il pourra lui dire, le torcheli ani nichnas, torchelcha, malgré tout, même si j'ai prononcé le néder, d'après son ancien Rabbi Eliezer ben Yaakov, j'ai le droit de rentrer chez moi, et je te dis, écoute-moi, je rentre chez moi, parce que je viens de nouveau en revendiquant mon droit d'entrer chez moi. Quand je marche en ce moment, on a une cour qu'on ne peut pas couper en deux. En théorie, on doit imposer un partage horaire, journalier, comme vous voulez. Et finalement, Rabbi Eliezer ben Yaakov va me dire, mais tu sais quoi, même si tu proposes aucun partage horaire, chaque fois que tu veux venir utiliser, eh ben, on va éclaircir que pour ce moment-là, c'est la tienne et c'est pas celle de l'autre. Donc tu le dis en tant que ça, que chose qui t'appartient. Mais malgré tout, Vekofin est un oder, limkor et trelko. Mais malgré tout, on va quand même imposer à moi qui ai prononcé le neder de vendre ma part à l'autre et que moi j'aille habiter ailleurs ou que j'utilise une autre cour de quelqu'un d'autre, mais que je ne reste plus dans cette situation. Et ça, tout le monde est d'accord. Quelle est la problématique, je vous explique. Donc on a dit, par rapport à entrer, je peux entrer. Mais le problème, il est que quoi? Il est que maintenant, on a une cour en copropriété, que moi, je n'ai pas le droit de profiter au-delà de ce que j'ai le droit. Par exemple, on va prendre le cas. Faire rentrer, vous savez, les courses avant Pessah. On apporte plein de caisses à la maison et on les met dans le khatser. C'est normal. Ouais, pour quelques heures, le temps qu'on finit de ranger à la maison. On utilise la cour, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, on a une cour mutuelle, en copropriété, que toi, tu as le droit de l'utiliser. Moi, j'ai plus le droit de l'utiliser parce que t'as pas d'obligation de me laisser, comment t'expliquer? T'as pas d'obligation de me laisser mettre mes cartons. Donc si je mets mes cartons et tu te tais, ça s'appelle que tu me donnes, et donc je suis en train de profiter de toi, et j'ai pas le droit de faire. Ce qui se passe, c'est que maintenant, moi, je prononce le neder, et pas toi. Maintenant, toi, tu vas continuer à vivre. Tu vas amener tes cartons, personne ne va s'y opposer. Et du coup, on craint que naturellement, vous savez, même Pessah, après il y a Shavuot, après il y a les 3 semaines, après on a à chaque fois des bonnes excuses pourquoi on va utiliser la cour. Il va arriver le moment où je vais oublier, je vais voir que tu l'utilises, et je vais oublier que moi, je n'ai pas le droit d'utiliser, je vais machinalement l'utiliser, je vais transgresser l'interdit de Neder. À cause de ça, Chachamim m'ont dit que, écoute, si je veux laisser le Neder en vigueur, je suis obligé de te vendre ma part de la cour et de me retirer complètement. Chose qu'on ne faisait pas dans la première partie de la Mishnah, lorsque c'était le Neder mutuel. Parce que quand c'était le Neder mutuel, alors, ni moi, ni toi, on utilisait. Mais maintenant qu'il y en a un seul qui a fait le Neder et l'autre qui n'a pas fait le Neder, alors là on craint que puisque le voisin il va l'utiliser, finalement moi aussi machinalement je vais l'utiliser et puis je vais transgresser l'interdit du Neder. Précision importante, on parle que du cas où c'est moi qui ai prononcé le Neder que je ne vais pas profiter de toi. Mais si c'est toi qui m'interdis de profiter de toi, ouais, ça veut dire que maintenant moi j'ai plus le droit de profiter, mais pas parce que moi j'ai prononcé le Neder, mais parce que toi tu m'as prononcé le Neder que j'ai pas le droit de prononcer et que j'ai pas le droit de profiter. Alors dans ce cas-là, on ne va pas me forcer à vendre, parce que sinon, chaque fois que vous allez avoir un associé qui vous casse les pieds, vous faites le neder qui ne profite pas de vous, et puis vous le forcez à vendre. Il n'en est pas question. Mais là, on parle donc que du cas où c'est moi qui ai prononcé le neder, que je ne vais plus profiter. Puisque maintenant je me mets en une situation dangereuse où je vais machinalement transgresser l'interdit, on me force à vendre ma part au voisin. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.